Bonjour, nous allons au cours de cette séance faire une technique de sophroprésence immédiate pour aller à la découverte de notre lieu ressource. Donc nous allons prendre conscience de la pièce dans laquelle nous sommes, de la présence des personnes éventuellement qui nous entourent, des sons que l'on peut percevoir peut-être. Et nous allons pouvoir fermer les yeux, assis tranquillement sur notre chaise, et prendre conscience de nos pieds posés sur le sol, du sol touché par nos pieds. Conscience de nos cuisses en contact avec notre chaise, de nos fessiers posés, reposés sur la chaise, de notre dos adossé au dossier de notre chaise, de nos épaules qui s'enroulent, attiré par le sol, et de notre tête posée sur notre cou. Conscience de notre corps, là, ici, maintenant. Et nous allons porter notre attention sur notre premier système, notre tête, notre cuir chevelu, notre front, nos tempes, nos joues, nos mâchoires, notre bouche. Et à l'inspiration, nous allons aller oxygéner cette partie de notre corps. Et à l'expiration, nous allons décrisper, relâcher tous les muscles de notre visage. Lisser notre front, décrisper nos tempes, relâcher la tension de nos yeux, relâcher nos mâchoires, les décrisper, en laissant tomber notre mâchoire inférieure, en ouvrant légèrement la bouche. Si des pensées apparaissent, on les laisse passer, on ne s'y accroche pas. On les laisse passer, tranquillement. On ne s'y attarde pas. Et on accueille les ressentis, les sensations que l'on a pu avoir là, dans cette partie de notre corps. Cette partie de notre corps qui est en train de se détendre. Et la détente continue de s'écouler dans notre cou, notre gorge, dans nos vertèbres cervicales, le long des muscles, des tendons, dans nos omoplates, dans nos épaules, dans le dessus de nos bras, le dessus de nos avant-bras, le dessus de nos mains, jusqu'au bout des ongles. En inspirant, nous allons oxygéner cette partie de notre corps. Et en expirant, en soufflant, nous allons décrisper, détendre ce qui est à détendre, là,
maintenant. Décrispez les muscles et les tendons de nos vertèbres cervicales jusqu'à nos omoplates. À chaque expiration, nous allons relâcher un peu plus encore ces muscles et tendons. Si des pensées arrivent, on les laisse passer, on ne s'y accroche pas. Et on accueille les phénomènes, les sensations qui ont pu apparaître. Et on accueille notre deuxième système en train de se relâcher. Et la détente continue de s'écouler dans notre cage thoracique, dans notre colonne vertébrale au niveau des vertèbres dorsales, dans nos aisselles, dans le dessous de nos bras, le dessous de nos avant-bras, dans la paume de nos mains. À chaque expiration, nous allons relâcher, décrisper ce qui est à relâcher dans cette partie de notre corps. Attentive, peut-être, au mouvement de nos côtes qui montent et qui descendent, qui s'ouvrent et se referment tranquillement, au rythme de notre inspiration et de notre expiration. Lorsqu'elles s'ouvrent à l'inspiration et qu'elles se referment à l'expiration. Cette cage thoracique qui bouge en mouvement au rythme de notre respiration tranquille. Attentive aussi aux poumons qui se gonflent et se dégonflent. Et on accueille les ressentis, les phénomènes qui ont pu se laisser voir, ici et maintenant. Et on accueille ce troisième système en train de se détendre. La détente continue à s'écouler dans notre ventre, dans notre colonne vertébrale au niveau des vertèbres lombaires, attentive au mouvement de notre ventre qui se gonfle et se dégonfle au rythme de notre respiration. Tranquille. On accueille les ressentis, les sensations que l'on a pu avoir là, dans cette partie de notre corps qui est en train de se détendre. Et la détente s'écoule dans le bas de notre corps, dans notre bassin, nos hanches,
nos fessiers, nos organes génitaux, nos cuisses, nos genoux, nos tibias, nos mollets, nos chevilles, nos pieds, nos plantes de pied et nos orteils. Et nous allons décrisper, relâcher ce qui est à relâcher dans cette partie de notre corps. Peut-être les tendons, les muscles de nos genoux. Ou les muscles et tendons de nos chevilles, de nos pieds. Et on accueille les phénomènes, les sensations que l'on a pu avoir ici, dans cette partie de notre corps qui est en train de se relâcher. Et on porte maintenant attention sur tout notre corps, depuis le sommet de notre tête jusqu'au bout de nos orteils. Attentive aux sensations, aux phénomènes qui se laissent avoir dans cette détente qui s'installe tranquillement. Et on accueille notre corps, cette unité, en train de se relâcher. Maintenant, dans une inspiration, nous allons passer en posture dynamique au bord de notre chaise. Soufflez, ajustez peut-être votre position, bougez peut-être vos épaules, vos mains. Et reprenez une respiration tranquille, tranquille et calme. Nous allons faire un déplacement du négatif. Pour cela, à l'inspiration, nous allons inspirer toutes les tensions qui peuvent rester ici ou là dans notre corps. Douce rétention de notre corps. Et soufflez, posez là devant vous ces tensions. Encore une fois, nous allons inspirer ces tensions. Douce rétention du corps et soufflez. Posez là devant vous les tensions. Une troisième fois, notre rythme. Soufflez.
Très bien. Récupérer. Nous allons repasser en posture de relaxation au fond de notre chaise. Tranquillement. Et nous allons activer ou harmoniser la chaleur de notre corps. En inspirant, nous allons inspirer la chaleur. Et en soufflant, nous allons la diffuser dans tout notre corps. En l'activant ou en l'harmonisant. Suivant nos besoins du moment. Inspirez, soufflez, activez ou harmonisez la chaleur. Inspirez aussi la circulation sanguine. Et en soufflant, nous allons l'activer ou l'harmoniser comme nous le souhaitons, suivant nos besoins du moment. Puis nous allons inspirer l'énergie vitale dont nous avons besoin. Et en soufflant, nous allons l'activer ou l'harmoniser. Inspirez l'énergie vitale et soufflez en la diffusant, en l'activant ou en l'harmonisant, suivant vos besoins du moment. Prenons quelques minutes, quelques instants pour intégrer ces sensations. Et sur une inspiration, nous allons passer en posture dynamique au bord de la chaise. Votre respiration est calme et régulière. Je vous propose de laisser venir à votre conscience un lieu, un paysage, de mer ou de campagne. Ou de montagne, ou encore un paysage imaginaire, comme vous le souhaitez. Un lieu que vous aimez, un lieu que vous connaissez, ou encore un lieu imaginaire. Un lieu où tout est calme et reposant. Un lieu où vous vous sentez en totale sécurité.
Ce lieu réel ou imaginaire symbolise pour vous le calme et la tranquillité. Un lieu où vous aimeriez vous poser. Vous reposer, vous recueillir et apprécier le silence. Vivez ce lieu avec vos cinq sens. Goûtez l'harmonie qui se dégage ce paysage où flotte un parfum agréable. Peut-être sentez-vous l'odeur de l'iode de la mer ou l'herbe ou encore la fraîcheur de l'air qui vous entoure. Peut-être aussi pouvez-vous sentir dans vos mains ou dans vos pieds le sable ou l'herbe fraîche et douce. Ou encore l'écorce d'un arbre. Sentir sur votre peau la douce chaleur ou la fraîcheur. Avec une lumière pâle diffusée par le coucher du soleil qui scintille et dégage une douce chaleur et une très grande douceur. Vous entendez peut-être au loin des oiseaux. Vivez l'harmonie, l'équilibre qui emplit votre paysage. Laissez-vous porter par les vibrations de ce lieu qui se teinte de vert. La couleur verte de la nature, de l'espoir, qui symbolise le calme. Le vert qui régénère tout le système nerveux. Et puis, laissez cette couleur vous remplir. Inspirez ce vert et soufflez-le dans tout votre corps. À chaque inspiration, vous vous sentez de plus en plus calme, avec la sensation d'être en toute sécurité. Comme si chaque expiration vous faisait descendre dans une région de vous-même encore plus calme, encore plus sûre. Restez à l'écoute de votre souffle et de ce silence intérieur. Inspirez, expirez.
Accueillez ce calme en toute confiance et sécurité. Et vous suivez le rythme de votre respiration. Intégrez toutes les sensations, les ressentis, les phénomènes qui ont pu se montrer à voir ici et maintenant. Intégrez dans votre conscience ce lieu où vous pourrez revenir si vous le souhaitez. Un lieu où vous pourrez vous ressourcer. Un lieu ressource. Intégrez tous vos ressentis. Reprenez notre posture de relaxation au fond de la chaise. Et je vais vous proposer d'activer nos trois qualités existentielles. Je peux vous proposer la première de ces qualités, comme la confiance en soi ou l'estime de soi ou la bienveillance envers soi. À l'inspiration, nous allons inspirer cette confiance. Et en soufflant, nous allons la diffuser partout dans notre corps, dans chaque cellule de notre corps. Inspirez la confiance et soufflez en diffusant la confiance. La deuxième qualité existentielle que je peux vous proposer est l'harmonie, l'équilibre. Donc en inspirant, nous inspirons l'harmonie et en soufflant, nous la diffusons largement dans tout notre corps. Inspirez l'harmonie. Soufflez en la diffusant. La troisième qualité existentielle que je peux vous proposer est la joie de vivre, l'espoir, le bonheur. En inspirant, nous allons inspirer cette joie de vivre
et en soufflant, nous allons la diffuser dans tout notre corps. C'est bien. Lorsque vous serez prête, vous pourrez commencer votre désophronisation, c'est-à-dire reprendre conscience de la salle, du lieu dans lequel nous sommes, des personnes peut-être qui nous entourent, des sons qui nous parviennent. Commencez à bouger nos pieds, nos jambes, notre buste, nous étirer, bâiller, bouger notre cou, notre tête, notre dos, et en finale ouvrir les yeux.